Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette édition dont voici le sommaire. L'Union des professionnels des médias du Bénin a convoqué ses membres pour une assemblée générale qui verra l'élection du nouveau bureau le samedi 27 août. Deux candidats pour l'instant sont en liste pour le poste de président. Vous aurez les précisions dans cette édition. La semaine de la survie de la mère et de l'enfant a démarré lundi dernier. C'est une initiative du gouvernement du Bénin avec l'UNICEF, UNFPA et l'OMS. Plusieurs services ont été rendus gratuits. Il s'agit entre autres de la supplémentation en vitamine A, du dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein pour les femmes. On fera également le point dans cette édition. Et puis au Tchad, la prise en charge des mineurs victimes de viol s'accentue. Ceci même s'il n'existe aucun chiffre officiel. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. À toutes et à tous, bienvenue. L'Union des professionnels des médias du Bénin a convoqué ses membres pour l'élection du nouveau bureau. L'Assemblée générale élective de la FETIER va donc se tenir le samedi 27 août. Plusieurs candidats sont en liste pour le poste de président. Les précisions dans ce reportage. Les journalistes membres de l'Union des professionnels des médias du Bénin vont élire le samedi 27 août. Lors d'une assemblée générale, les membres de la 7e mandature. En tant que professionnel des médias, Josaphat Dabolino attend beaucoup de la part du nouveau bureau qui sera élu. Mes attentes personnellement, c'est de voir une FETIER désormais engagée ou résolument engagée pour la cause des journalistes béninois. C'est de voir également la nouvelle équipe qui sera mise en place travailler à ce que les conditions de vie et de travail des journalistes soient améliorées. L'autre défi que j'attends que la nouvelle équipe puisse relever, c'est au niveau de la professionnalisation, bien sûr, de la presse. Candidat à la présidence de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Fortuné Sosa compte, s'il était élu, redresser la maison pour que l'Union retrouve ses lettres de noblesse. Retrouver ses lettres de noblesse, ça sous-entend ceci. C'est déjà engager des actions pour le toilettage des tests de l'Union, y compris les tests régissant l'organisation de la profession en République du Bénin. Nous allons beaucoup œuvrer à ce que chaque journaliste qui est dans un secteur de spécialisation donné puisse être suffisamment aguerri par rapport à cette spécialisation-là. Et dans tout ça, nous attachons un point d'honneur à la femme des professionnels des médias. Les femmes ont une place d'honneur dans notre programme. Également candidat, José Fortuné Merouenou affirme vouloir transformer la FETIER des professionnels des médias du Bénin s'il était élu. Je pense que nous méritons mieux qu'une mutuelle. Nous avons besoin d'une assurance santé, d'une assurance maladie, ces choses-là, on peut engager ces chantiers-là et y arriver. L'autre question qui est éternelle et qui revient tout le temps, la question du salaire du journaliste béninois. Nous avons une convention collective, excusez-moi du peu, qui est risible avec ce qui est contenu comme paye pour nous, professionnels des médias. Et nous ne sommes déjà pas payés sur cette convention-là. Alors que cette convention a besoin d'être dénoncée, ces choses-là, nous pouvons travailler à les corriger et nous allons y arriver. Seuls les membres qui ont payé leur cotisation des trois dernières années sont autorisés à prendre part à l'Assemblée générale élective. Dans le cadre de la célébration prochaine du cinquantenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin a lancé un concours de meilleure production de presse. C'était en présence des professionnels des médias venus de divers organes. Clémence Tonoupoint nous en parle à travers son reportage. Promouvoir la coopération entre la Chine et le Bénin, qui sera vieille de 50 ans en décembre prochain, c'est l'objectif principal de ce concours. Il est organisé par le Réseau Média pour la coopération sino-béninoise.
Le concours est ouvert pour les productions portant sur des sujets d'investigation relatifs au rétablissement de la coopération diplomatique entre les deux pays, avec un accent particulier sur les réalisations de la Chine au Bénin dans le cadre de cette coopération. Le président du réseau revient ici sur les modalités de participation. Le candidat doit présenter pour les journalistes de la radio et web radio une réalisation radiophonique de 7 minutes au moins sur support numérique. Pour les journalistes de la télévision et web TV, une production TV de 7 minutes au moins sur clé USB en version flash. Pour les journalistes de la presse écrite et de la presse digitale, un article de presse présenté en 4 pages à 4 au plus de 60 signes par ligne et de 25 lignes par page et la photocopie de l'article publié dans un journal. Pour les photojournalistes, 20 copies de photos de presse publiées dans un média, joindre à chaque photo une note indiquant le sujet ou le contexte est relatif. Pour l'ambassadeur de la Chine au Bénin, ce concours devra permettre de répondre à 3 questions fondamentales. Quel est l'état des relations et de la coopération entre la Chine et le Bénin? Pour quelles raisons ces relations, cette coopération sont aussi bonnes et fructueuses? Et dans l'avenir, comment faire promouvoir et porter ces relations à une nouvelle étape pour les prochaines cinquantenaires? Dans le cadre de la célébration de ce cinquantenaire, l'ambassade de la Chine organise en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères plusieurs activités culturelles et politiques. À partir du mois prochain, du mois de septembre, l'ambassade de Chine va organiser dans 10 communes la tournée de la projection des films chinois en presque un mois. Des films chinois, mais certainement avec traduction en français, en plein air, au public. Après, au mois d'octobre jusqu'au mois de novembre, au mois de décembre, on va organiser aussi les compétitions de tennis de table, de badminton et aussi de kung-fu. À part ces activités culturelles, certainement, il y aura aussi des activités politiques. Le rétablissement des relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine date de décembre 1972. Dans les tout prochains jours, le logo et le programme de la célébration seront communiqués au public. On parle santé à présent. Depuis ce lundi et ce jusqu'au 27 août, la semaine de survie de la femme et de l'enfant se tient au Bénin. Des services spécifiques tels que la planification familiale, le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus sont proposés gratuitement aux usagers. L'objectif est de leur assurer un accès facile à ces différents soins. C'est une semaine de survie de la femme et de l'enfant qui a lieu sur toute l'étendue du territoire béninois. Les enfants de 6 à 59 mois et les femmes à partir de 12 ans pourront bénéficier gratuitement de nombreux soins. L'objectif visé à travers l'organisation de la SSFE est de réduire la mortalité maternelle, juvénile et infantile. Son objectif général est d'offrir aux mères, femmes en âge de procréer, et aux enfants sur toute l'étendue du territoire national, un paquet de services intégrés constitué de campagnes nationales de planification familiale couplées à la semaine de suivi de l'enfant et au dépistage de cancer de col, de l'utérus et du sein. Cette dame, la quarantaine entamée, a requis l'anonymat. L'un des services qui l'intéresse, c'est la planification familiale. Elle s'informe et prend des conseils d'abord avant d'opérer son choix. Je suis venue ce matin pour faire une planning familiale pour espacer et la naissance de mes enfants. Elles m'ont bien accueillie, elles m'ont fait dépistage de col, ce qui a été parfait, et test de dépistage de
de saint, ce qui a été parfait aussi. J'ai opté pour le Dui pour éviter les problèmes de maux de tête, des petits trucs là. Donc j'ai préféré. Avant, je prenais des pilules, mais arrivé à un moment donné, ça ne prenait plus. Donc c'est pourquoi j'ai opté pour ça. À travers cette semaine dédiée à la femme et l'enfant, l'État béninois entend assurer l'accès gratuit pour certains services à cette catégorie de la population, d'où cet appel. Quand la femme est avec nous, on lui pose certaines questions qui nous permettent de dire oui, madame, la méthode là que vous avez choisie, on peut vous adopter cette méthode là parce que ça peut aller à votre organisme. Nous avons les critères d'éligibilité. C'est vrai, on ne lui impose pas sa méthode, elle choisit. Mais nous, avec notre critère, on peut lui dire, non, madame, la méthode là que vous avez choisie, ça ne peut pas aller pour votre organisme. Non, ça là peut aller pour votre organisme. Et on arrive à les orienter. Démarrée le 22 août, la semaine de survie de la femme et de l'enfant prend fin le 27 août prochain avec des activités tant en communauté que dans les centres de santé. Les internationaux béninois seront désormais appelés les Guépards. La Fédération béninoise de football a validé le changement de nom pour l'équipe nationale. C'était une volonté exprimée depuis plusieurs années qui a finalement abouti. Suivez ici les réactions de quelques citoyens qui se sont prononcés au micro de Carnot François Rumbederinto. Je dis bien, ce n'est pas la solution. Je suis clair. Je dis bien, le nom écureuil a été donné en 1961 par le tout premier président de la Fédération Dahoméenne de football, Ibns. Anna Charles est encore là, l'ancien gardien de but, les tout premiers gardiens de but des écureuils. Ils étaient aux mises au vert, là où se trouve le rôle des arts, c'était la brousse. C'est là où les écureuils faisaient leur mise au vert. Et Ibns a pris les ossements des écureuils à griller et la poudre a été mise dans les cicatrisations pour les écureuils à cause de la rapidité des écureuils. Mais le coq, la France, le coq bleu, est-ce que le coq joue? Qu'est-ce que le coq fait? Les écureuils sont très rapides, ils courent. Mais le coq ne court pas. Ce n'est pas le fait de changer de nom. Hein. Moi, ma version c'est quoi? Quand vous prenez les lions, on dit les lions de la Teranga, les lions indomptables. Il y a un adjectif qui accompagne. Quand on prend les aigles, vous verrez les super eagles du Nigeria. Mais on ne peut pas dire tout court guépard. Comme on a dit écureuil, et ça n'a pas porté de fruits. Guépard tout court, je ne suis pas d'accord. Mais que l'adjectif qui va accompagner ce guépard, c'est cet adjectif qui va incarner le joueur. Nous sommes le Dahomey, le Dahomey d'hier, le Bénin d'aujourd'hui. On peut accompagner quelque chose sur le guépard là et ça va donner un nom. Le président de la République est en train de donner une nouvelle culture à notre pays, c'est-à-dire vivre dans notre culture pour un développement, vendre la culture béninoise pour un développement planétaire. Alors pourquoi ne pas attribuer ces adjectifs là à cela? Moi je serais un peu différent, je suis d'accord pour le guépard, mais si un adjectif ne l'accompagne pas pour donner l'identité de notre football, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je sais qu'on n'a pas un problème de dénomination. Et c'est sûr que le nom écureuil a une origine, le nom a eu une genèse. Et si, depuis les années 1960, la fédération a gardé ce nom, je pense que le nom-là, ce n'est pas la maladie ou les maux dont souffre le football béninois. Si on change de nom si on change le nom des écureuils en guépard, est-ce que cela corrige maintenant les performances que nous sommes en train de souhaiter? Non. Au devenu guépard n'est pas la fin en soi. C'est qu'on mette les moyens en œuvre et qu'on revoie un peu l'encadrement technique, depuis les supporters jusqu'aux joueurs et à l'encadrement technique. Guépard, on peut être guépard et ne pas travailler. Comme on peut être écureuil et travailler. Regardez la France, on parle du corps sportif, mais ils ont remporté jusqu'à aller au mondial. Et puis, ce n'est pas parce qu'ils étaient coqs et qu'ils n'ont pas gravi ces échelons-là.
Du Bénin, rendons-nous au Tchad où les associations de défense des droits des femmes sont inquiètes. Elles dénoncent une recrudescence des cas de viols sur mineurs, des viols qui sont régulièrement rapportés dans les journaux du pays. Même si aucun chiffre officiel n'existe, les autorités ont quand même mis en place des centres d'aide pour les victimes. Cette mesure vise non seulement à prendre en charge psychologiquement et médicalement les victimes, mais aussi tenter de briser le silence sur des drames encore très tabous dans le pays. Et puis le président français Emmanuel Macron se rend pour la deuxième fois en Algérie du 25 au 27 août, répondant favorablement à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit d'une visite officielle de 3 jours sous haute tension diplomatique pour tenter d'apaiser les relations entre les deux capitales et relancer les partenariats économiques au point mort. En jargon diplomatique, ce nouveau déplacement présidentiel a pour but d'approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir au bénéfice des populations des deux pays, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. Et c'est sur cette visite du président français en Algérie que prend fin cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.